Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet à propos des défis de Neymar Junior. Alors le premier défi est de parler à un personnage en lien avec le football. Alors les personnages en lien avec le football, il y en a un à Dirty Docks, il y en a un à Pleasant Park et il y en a un à Holy Edge. Donc je vais vous montrer les emplacements tout de suite. Alors, déjà, ah, il est juste là en bas, ok, je me suis trompé d'endroit. Donc celui qui se trouve à Dirty Docks se trouve juste en bas, donc voilà, ils ont rajouté un petit terrain de foot et tout, tout stylé comme ça. Alors le premier personnage c'est... qui s'appelle Contra-Attaquant, voilà, elle s'appelle comme ça. Donc, il se trouve juste ici à Dirty Docks. Alors, le joueur Neymar, il se trouve juste ici, là où il y a tout le monde, bien évidemment. Et il y a un autre personnage qui se trouve à Holy Edge, donc qui se trouve juste ici. Donc, voilà, vous pouvez parler à l'un de ces trois personnages pour terminer le défi. Donc, voilà, vous lui parlez comme ça et c'est suffisant. Vous aurez terminé le défi et le premier défi de Neymar. Alors le deuxième et troisième défi est d'accomplir des quêtes des personnages en lien avec le football. Alors le deuxième défi est d'accomplir trois quêtes. Et le troisième défi qui vous permettra de débloquer le skin Neymar Junior est d'accomplir 5 quêtes. Alors les personnages en lien avec le football, il y en a 3. Il y en a un qui se trouve à Dirty Docks, donc juste ici. Il y a Neymar qui se trouve sur le terrain de foot à Pleasant Park. Et il y en a un autre qui se trouve à Holy Edge. Donc ce que vous allez devoir faire... c'est aller parler à ces personnages et ensuite leur demander des quêtes. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, bien évidemment, il y a plein de monde. J'espère que ça ne va pas trop me gêner pour réaliser ce défi. On verra bien. Mais on va voir les quêtes qu'ils me demandent. Donc là, je parle au personnage. Et là, ils me disent de marquer un but avec le jouet de ballon de foot. Ok ? Ils me disent de toucher des cibles avec le jouet ballon de foot. Et ils me proposent un duel. Donc on va marquer un but, ok ? Avec le jouet de foot. Bien entendu, il vous faudra le jouet de foot. Voilà, là, j'ai marqué un but. Donc là, ben évidemment, il va falloir que j'attende. Bon, le personnage est mort, donc ils l'ont tué. Donc ce que je vais faire, ben, c'est que je vais quitter et je vais relancer la partie. Alors, pour ne pas me faire ennuyer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une partie que contre des bots. Donc si vous voulez faire pareil, je mettrai en lien en description et en commentaire épinglé un lien qui vous expliquera comment créer une partie uniquement contre des bots. C'est totalement légit, il n'y a aucun risque de ban. Mais comme ça, ben, je ne suis pas embêté par d'autres joueurs qui par exemple, ben, juste avant, ont tué le personnage. Alors maintenant, je vais devoir faire 5 quêtes. Donc j'en ai déjà accompli une, donc je vais refaire une autre quête. Donc marquer un but avec le jouet de ballon. Ok. Donc là, je vais remarquer un but. Voilà, je pense que je peux faire 5 fois la même. Non, je peux pas. Toucher des cibles avec le jouet ballon de foot. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc là, j'ai pas touché. Voilà, là, j'ai touché. Voilà. Et ensuite, ben, je vais le provoquer en duel. Ça fera que j'aurai fait 4 quêtes. Merde, je sais pas si j'aurai assez de balles. Et en plus, il va me tuer, je crois. Oh là là, il y a l'autre. En plus, voilà, je suis dans la merde. Ouais, voilà, je suis dans la merde. Quand vous faites un duel, prenez au moins suffisamment de balles pour pas vous faire tuer. Mais c'est pas grave, de toute façon, il fallait quand même que je relance la partie pour faire un autre, une autre quête avec une autre personne. Alors, je viens de remarquer que le défi, la quête que j'avais demandé à la reine de Derby, et eh ben en fait c'était une quête de toucher des cibles avec le jouet de ballon de foot. Et en fait il faut toucher 3 cibles pour valider la quête. Donc là j'avais pas terminé. Donc je vais aller au terrain de foot qui se trouve à Dirty Docks. Et je vais aller terminer ma quête. Alors très important, j'ai remarqué aussi que les duels ne comptent pas pour des quêtes. Donc si vous enclenchez un duel contre un joueur de foot, ça ne vous comptabilisera pas pour une quête accomplie. Donc ça ne sert à rien de faire un duel contre le joueur de foot et ennuyer les autres joueurs qui essayent justement de faire leur quête. Donc voilà. Ok, donc là je vais terminer mon défi qui est de toucher la cible avec le ballon de foot. Alors pour ce faire, il faut que vous visez la cible avec, avec votre personnage comme ça. Et ensuite, ben, vous tirez. Voilà. C'est comme ça que vous touchez les cibles. Donc vous visez, ensuite vous tirez. Boum. Ah, peut-être un peu trop près.
Voilà. Donc là, j'ai fini ma troisième quête. Donc là, logiquement, je vais débloquer un écran de chargement. Et il me manque encore deux quêtes pour débloquer le joueur Neymar. Parce qu'il faut accomplir cinq quêtes pour débloquer le skin Neymar. Alors maintenant, je vais lui demander une nouvelle quête. Marquer un but. Ok. Hop, je prends le ballon. Je marque un goal. Ah, là, je ne peux plus. Ah si, c'est bon, là, je peux. Donc, parcourir de la distance à pied. Il faut que je parcours combien de mètres? Ah, il faut que je parcours 300 mètres à pied. En vrai, je sais pas combien de tours de terrain j'ai fait, mais voilà, c'est bon, c'est terminé. Ensuite, est-ce que je peux lui redemander un défi? Non, je ne peux plus lui redemander de quête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, je vais peut-être aller à Pleasant Park. Voilà, on va aller à Pleasant Park directement. Ok, donc je suis à Pleasant Park. Maintenant, je vais aller parler à Neymar. Voilà. Wesh, wesh, wesh. Alors, toucher les cibles avec le jouet de ballon. Ok, let's go. On valide. On touche les cibles. Hop. Ah, je suis un peu trop bas. Un peu trop bas. Ah, ça devrait être bon là. Voilà, parfait. Toucher trois cibles. Là, ça devrait être bon aussi. Parfait. On va de droite à gauche. Et voilà. Normalement, c'est bon. C'est validé. Alors, plus qu'une quête normalement. Donc, marquer un but avec. Bah voilà, parfait. Hein. C'est easy. Hop. J'ai marqué un goal. Donc voilà, quand vous avez fait vos 5 quêtes, logiquement, il faut quitter la partie pour que ça se valide, parce que sinon, ça valide pas. Donc, c'est ce que je vais essayer. Et si ça fonctionne, logiquement, là, je vais débloquer le joueur Neymar, donc le skin Neymar. Donc, effectivement, ça a bien fonctionné, regardez. J'ai Neymar Junior, plus l'écran de chargement que vous débloquez après 3 quêtes de joueurs de foot. Ensuite, le quatrième défi est de marquer un but avec le jouet ballon dans n'importe quel but en tant que Neymar Junior. Donc bien entendu, pour réaliser ce défi, il vous faudra le skin Neymar Junior. Donc quand vous avez le skin Neymar Junior, vous allez sur un terrain de foot qui a soit à Pleasant Park, à Holy Edge ou à un Dirty Docks. Et ensuite, ben, vous marquez un but avec votre ballon de foot. Voilà, comme ceci. Et là, vous débloquerez la pioche. Moi, je l'ai déjà débloqué, donc ça ne s'affiche pas en haut à gauche. Mais là, si vous marquez un but avec Neymar, ben, vous débloquerez la pioche. Ensuite, le cinquième défi est de tirer le jouet ballon de foot sur la distance indiquée. Alors, pour réaliser ce défi, ben, vous avez juste à prendre le ballon de foot. Voilà, comme je vais le faire. Vous allez au-dessus d'une falaise, hein, comme ça, une colline. Et là, vous tirez le ballon de foot comme ceci. Et normalement, ça va faire, voilà, ça fait 63 mètres. Donc, ben, vous recommencez en illimité jusqu'à temps que vous ayez terminé. Bon, évidemment, il y a quelqu'un qui me tire dessus. Voilà. Donc, hop, vous continuez comme ça. Et là, logiquement, voilà, je suis à 123 mètres. Et vous faites ça sur 500 mètres pour terminer le défi et débloquer la récompense. Ensuite, le sixième et dernier défi est de réussir des éliminations en tant que Neymar Junior. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous équiper du skin Neymar Junior et ensuite faire 3 kills pour débloquer la nouvelle émote chute qui vous permettra de débloquer la variante de Neymar Junior. Donc voilà, ensuite les autres défis de Neymar Junior, c'est d'accomplir des quêtes de niveau épique, donc 45, puis 49, puis 52, 56 et pour finir 60. Quand vous aurez débloqué 60 quêtes épiques, vous débloquerez toutes les récompenses associées aux quêtes de Neymar Junior. Donc voilà qui termine ce guide complet des défis de Neymar Junior. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.